Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une recette carnivore, les bacon twist. Alors, si vous avez l'habitude de fréquenter les YouTube channels anglophones, les Insta anglophones américains, c'est une recette qui revient très souvent. Donc, je vais vous montrer comment les préparer. Pour préparer cette recette, vous aurez besoin de tranches de poitrine de porc, donc fumée ou salée. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une trancheuse, donc je peux les trancher assez finement. Et ensuite, il faut les rouler sur elles-mêmes, ces tranches de lard. C'est ce qui va donner ce côté twist aux tranches de bacon. Ensuite, c'est pas à proprement parler une recette, c'est plutôt une idée de présentation de ces petites tranches de bacon, de lard, si vous invitez des gens, que vous voulez avoir une présentation un petit peu plus attrayante que simplement vos tranches de lard grillées à la poêle. Donc, une fois ceci étant fait, je les positionne dans l'air fryer et je les mets à cuire pendant une dizaine de minutes. Si vous n'avez pas d'air fryer, bien sûr, vous pouvez le faire très bien dans un four traditionnel. J'ai fait cuire finalement une dizaine de minutes à 180-200 degrés selon les fours et vous obtenez ces petits tourbillons de bacon, de lard croustillant. Donc voilà, c'est une préparation sympa. C'est pas vraiment une recette, hein, mais vous avez des petits bâtonnets croustillants de bacon. Les bacon twists. Alors peut-être qu'il y en a des mieux réussis hein, sur certaines chaînes. Mais bon, moi je suis plutôt contente des miens. Donc ben, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire en commentaire si vous connaissiez cette recette, si vous avez l'habitude d'en faire. Je suis d'accord avec vous, c'est quand même un peu gadget. On n'a pas besoin de faire ça pour avoir du lard croustillant, juste le faire griller à la poêle. Mais bon, pour un apéritif entre amis ou pour une préparation un peu plus soignée, ça peut être sympa. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.